Mec, va chercher ses clés. Pas sûr que ce soit une bonne idée de le laisser comme ça. Il est venu avec le camion comme on lui a demandé. Il a même tué son partenaire pour arranger le tout.
Mais si t'as un doute, pourquoi prendre le risque? Il faut qu'on se casse. T'as les clés, tu conduis. Allez, viens, on se tire. Roule tranquille, hein. Faudrait pas que les flics nous collent au cul. Il a aucune idée de ce qu'il attend, ce pauvre trou du cul. C'était quoi, sa part? 5%? À peu près. Enfin, c'est pas comme s'il allait la dépenser. Il va avoir les fédéraux sur le dos jusqu'à la fin de ses jours. Il aurait mieux valu qu'on le bute. Si j'ai bien appris quelque chose au Vietnam, c'est qu'avoir un bouc émissaire, c'est toujours une bonne idée. On attire l'attention dessus, pour pouvoir filer en douce. Bon alors? C'est quoi le truc le plus dingue que t'as vu là-bas? Vaut mieux que tu saches pas. Hé, je suis un contribuable. J'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés. Georgie Marcano paie des impôts. Évidemment. Je veux pas me faire serrer comme Al Capone. Pas moyen que j'aille en tôle pour un putain de paplard. Tu vas répondre à ma question, oui ou merde? On était sur la côte de Quen Dai. On évacue les civils avant que les Viet rappliquent dans le coin. Bref, on les faisait embarquer sur le bateau hôpital. Et une femme se pointe en tenant un bébé d'une main et un cochon on laisse de l'autre. Commence à monter la rampe. C'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place que pour deux. Aussi sec, elle balance le bébé à la baille. Le type pète un plomb, envoie un gars pêcher le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond? Je pourrais toujours avoir un autre bébé. Putain de merde. Hé, hey, je t'avais prévenu. Je pensais que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Essaie d'imaginer un peu les conditions que c'était, putain. T'es tranquille à faire pousser ton riz et à élever ton bétail. Et d'un coup, tout est cramé au napalm. Si tu mets les gens dos au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère foutrement que le cochon en valait le coup. Les gardes de la réserve seront certainement pas trop chauds pour que tu te balades avec ton arme. J'ai laissé ça sous le siège. Là, on va voir si ces fausses cartes d'identité valent le coup. Je ferai une réflexion sur la chaleur, ce sera le signal. D'accord. C'est parti. Montrez-moi vos pièces d'identité. On fait partie de l'équipe d'incinération. Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre? C'est pour une histoire de quota. Tu vois le topo? Mais où va ce putain de pays, je vous jure? Tu peux me suivre. Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur.
Combien vous avez en tout ? 238 546 dollars et le plus gros en petite coupure. Madame Gale passera un coup de fil à votre bureau quand on aura terminé. Elle confirmera la livraison. Merci beaucoup. Dépose le canoncier. Tu portes une arme ? Je suis toujours en formation. Tant mieux. Ça me fera un souci de moi. Vous pourrez le récupérer à la sortie. L'incinérateur est au sous-sol. Par ici. Je vous avais jamais vu avant. Je suis parti en Géorgie. Lui ? Il vient d'être démobilisé. Ça fait plus d'un an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici. Il a été dans la Navy pendant deux services. Il a reçu des médailles à l'appel, mais le gouvernement n'en veut pas. C'est vraiment la merde. C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc est pas foutu de trouver un boulot, alors qu'un négro lambda a juste à se pointer pour être embauché. Vous avez pas intérêt à vous tripoter là-derrière. Va te faire foutre! Putain, vise-moi ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de blé. Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre. C'est là, et puis ça part à Dallas, et puis ça revient. On se demande à quoi ça rime. On y est. Pose ces sacs sur la table. J'avais jamais vu ça. Je pensais que ce serait plus grand. Ça marche plutôt bien. Les seules fois où ça merde, c'est quand le conduit est bouché. Putain, il fait une de ces chaleurs ici. Avant, j'utilisais du charbon, mais on est passé au fioul il y a à peu près un an. Ça maintient mieux la flamme. Un type s'est pointé pour essayer de me faire passer au fioul. Je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Moi non plus. Jusqu'à ce que je vois ça. Au moins avec le fioul, on n'a pas de su partout. Avant, il nous aurait fallu des nègres avec un tuyau pour nettoyer toute la merde sur les murs. Quel abruti, celui-là. Il faut qu'on bouge. Danny et Elise devraient plus tarder. Laisse-moi une seconde. Bon, tu t'occupes des gardes. Essaie de te faire discret. Faut éviter qu'ils nous tombent dessus. Je sais ce que je fais. Cette maison qu'on a louée. J'ai appelé hier soir en disant que je comptais vendre et qu'il devait libérer les lieux sous deux semaines. Et le gars, John, commence à m'agresser et me dire que sous le bail, ils ont un préavis de 30 jours. Et il me demande comment il peut trouver un nouveau logement en deux semaines. Du coup, je lui réponds que j'en ai rien à branler, que c'est ma propriété et que j'en dispose comme je veux. Et j'ajoute que s'il me parle encore de ce putain de bail, je me... Allez, faut qu'on ouvre ce coffre.
Nom de Dieu, c'est un putain de braquage! Je vais chercher de l'aide. Une seconde. Je crois que ce garçon correspond à la description. Je dois me mettre derrière un truc! Débarrassez-moi de cet enfoiré! Il m'a eu ce fumier! Je suis coincé, merde! Mais t'es un flic, tu vas pas t'en tirer comme ça, fiston! Je le tiens! Le suspect est en mouvement! Je l'ai vu! Couvre-toi! Il est là, ramenez-vous! Le diable est en route! Putain, on a bien tapé dans la fourmilière. Le seul moyen de foutre le camp, c'est de mettre la main sur le matos de l'armurerie. Fais sauter la porte, je te couvre. Quand il va entendre parler de ça, mon vieux va l'avoir en travers. Fais chier. Fais chier. Allez, quoi. Allez, espèce de sale pute. Espèce de sale pute! Donne-moi ça. Envoyez-leur les fumigènes. Putain, mec, ils rigolent pas, ces cons. J'ai vu pire au Vietnam. Un peu de fumée, ça fait de mal à personne. Reste près du coffre et surveille la fourreuse. Je m'occupe de ces connards. Hein? Il est juste là. C'est là, allons-y. Tu peux pas venir...
Alors comment va Samy ? Depuis qu'on a reçu ton télégramme pour nous dire que tu rentrais, il est comme un fou. Et si l'avion s'écrase, et si le train a du retard, et s'il le rappelle ? Ensuite, il se plante devant la fenêtre de la cuisine et il sirote son whisky. Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir. Lui dis pas que je t'ai raconté tout ça. T'inquiète. Il ira mieux quand il t'aura vu. Depuis maman, mais tu sais comment il peut être. Tu te rappelles Marty et Ron Langford ? Ouais. Ils ont déménagé à Empire Bay un an après ton départ. Et ils ont commencé à fourguer de l'herbe. Il m'appelle pour me demander si je veux quoi que ce soit. Je dis ok, moi l'argent facile, je suis pour. Bref, il y a un mois, Marty me dit qu'il passe à l'héroïne et qu'il a besoin de quelqu'un dans le quartier. J'imagine que ça, ça a pas dû plaire à Samy. Je lui avais jamais dit pour l'herbe. Ça regardait personne. Mais ça, il fallait que je lui en parle. J'avais pas dit trois mots qu'il a commencé à hurler sur les fédéraux. À dire qu'on n'avait pas besoin que J. Edgar nous casse les couilles. Et quel abruti j'étais. Et que c'était honteux de vendre de la cam sous les yeux des enfants du quartier. On vend pas de cam aux enfants. Comme s'ils avaient du fric pour se la payer. Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux. Je connaissais deux, trois types au Vietnam qui en vendaient. Ils ont fini par défriser quelqu'un qu'il fallait pas. Et on les a retrouvés la gorge tranchée. T'inquiète, je sais ce que je fais. C'est pour ça que j'en ai parlé à Georgie. Ça m'étonnerait que ça allait marcher là-dedans. Georgie dit qu'il sait comment faire pour que son père sache rien. On touche pas à Del Rey ni à Frisco. On se limite au quartier français. Oncle Lou de Georgie dira que dalle tant qu'il bouffera au râtelier. Ça me plaît pas. Georgie est peut-être un type très cool, mais l'héroïne, c'est sérieux de chez sérieux. Deviens notre associé. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour partager en trois. Je sais pas. J'ai besoin de rester un peu dans mon coin, histoire de réfléchir. Ouais. D'accord. Une fois que tu seras posé, je me disais qu'on pourrait aller dans ce nouveau club du quartier français. Tête à quatre. Avec qui tu veux que j'y aille ? Avec ta grand-tante Béatrice ? Oh la vache ! Tu sais que je l'ai vu. Eh hey, mec, fais attention ! Où est-ce que j'en étais ? Oh la vache ! Tu sais que je l'ai vu par hasard torse nu un jour ? Cette femme a les nichons les plus terribles que j'ai jamais vus. On aurait dit deux vieux sacs de patates vides. Ouais, par hasard, bien sûr. Va te faire foutre, mec. J'ai eu de la chance de m'en tirer. Bref, t'irai avec Réjeanne. Réjeanne ? Tu peux me croire, quand tu la verras, t'auras envie d'y plonger. Ah ouais ? La moitié des mecs de Del Rey lui tournent autour pour sortir avec elle. Elle les repousse tous. Elle n'a Dieu que pour toi, Lincoln Clay. Enculé. Attends de la voir. Un seul regard et Popol va s'agiter dans ton froc. Allez, on va entrer par devant. Avec un héros comme toi, je vais pas passer par derrière.